Et salut YouTube, on revient sur cette PS2, on vient de s'occuper de son lecteur qu'on vient de refaire à 100%, et là on va tout simplement essayer de refaire de la pucer, tout simplement. On va tout simplement essayer de la pucer, et puis voilà. Et bah c'est parti, on va remettre les quatre vis du dessus, déjà, c'est un bon début. Donc le lecteur est tout propre, fonctionnel qui plus est. On éteint le courant, ici également, moi je re-switch et je récupère ça, voilà. Impeccable. Je crois que mon four a fini de préchauffer aussi là. Hop. J'ai raté quoi? Bah écoute, le lecteur a l'air en bonne santé, m'a l'air pas trop mal du tout. Donc on va se lancer dans le puçage. Et je ferai suite à cela des tests plus approfondis de mon côté. Et s'il y a réellement besoin de changer la lentille, je reviendrai vers toi. Mais là, elle me semble très bien. Elle me semble très très bien. Hop. Mais c'est vrai, j'aimerais bien trouver un programme où... Des fois, je me dis des programmes de tests comme ça, je les développerais bien moi-même. Et je pense qu'il faut un talent inné pour développer ce genre de choses. Sur PS2, quoi. Je pense qu'il faut être très fort ou avoir connu le truc à l'époque, je sais pas, mais... Je suis pas sûr que les kits de dev PS2, ça court les rues. Pour tester, vous savez, des EPL. Moi, je regarde sur Internet. How to create, ouais, mais ça va être encore un temps fou à passer. Ce qui te permettrait de régler au mieux ta lentille. Donc là, notre lecteur est bon. On va avoir besoin d'enlever notre carte mère. Et normalement, notre carte mère, on ne devrait pas avoir trop de soucis pour l'enlever. Regardez, on va retourner ça. Hop! Comme ceci. Voilà. On va enlever la vis qui est là. Câble. On enlève notre petit PCB. Et là, on va pouvoir enlever nos différentes. Alors, vas-y. Nappe. Comme ceci. Qui est visiblement collée. Impeccable. Ça vient. Ici également. Hop. Comme ceci. On enlève également. Et là, ici, c'est une nappe de même principe. On soulève, on tire. Ah, le four a fini de préchauffer. J'arrive. Hop. Je commence à avoir très très faim. Ah, c'est marrant, le chaton est passé d'un chat à l'autre. C'est bon, c'est préchauffé. Oh, c'est plus que préchauffé en fait là. Attends, on a dit 220. Allume-toi, sale bête. Ça, c'est le temps, on s'en fout. Ah, oh, attends. Ah, je veux pas régler l'heure. Quelqu'un hein, s'est déjà servi d'un four ou pas? Voilà, ça, 220 degrés, c'est ce que je veux. Pas pendant 30 minutes, je veux pendant. Excusez-moi, hein. C'est le moment bouffe. Pendant 11 minutes. Va-t-elle être cramée à la fin? Je pense que oui. Comme j'ai mal à la gorge, je me dis que manger chaud, ça peut être une bonne idée. Rien à voir, hein, du coup. Hein. Rien à voir. Bien sûr, les pizzas, on les coupe avec quoi? Des ciseaux. Voilà. C'est un peu l'entracte hein, chez vous. Allez-vous chercher une petite bière, allez-vous chercher une petite collation, ce que vous voulez. C'est un peu le moment entracte. Voilà. N'hésitez pas à vous sustenter de la meilleure des façons. Un petit coup de papier cuisson juste ici. Le tiroir qui est bourré là-dedans. Hop! Oh la belle pizza 4 fromages de chez Dr. Hatcher. Sûrement une des moins chères vu la gueule. Hein. Et j'arrive. 10 minutes à 220. Voilà. Position centrale du four. Et on est parti. C'est bon, il n'y a aucun chat qui surveillait ce que je faisais. Potentiellement, ils vont pas aller bouffer ce que j'ai mangé. Désolé.
J'étais en train de couper la bouffe. Salut Valrog. Salut Guillaume, car le dev kit, c'est vraiment une pièce de fat format XXL. Ouais, tout à fait. Donc là, on va enlever les 2-3 vis qui retiennent notre PS2. Et alors, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai regardé ici deux grosses vis. Normalement, j'en ai pas d'autres. Et normalement, si je ne m'abuse, ça devrait venir. Parce qu'en gros, j'ai des broches. Ah la vache. J'ai une broche qui est juste ici. Et je vais pouvoir vérifier juste après, du coup, si ma PS2 est compatible Modbo 5.0. Ce que j'espère. Voilà. Alors, normalement, ça devrait venir. Hop. Non, fais attention, c'est notre ventilo qui est là en fait. On va l'enlever tout de suite, comme ça il ne nous dérangera pas. Et là, normalement, la suite. Ça devrait venir, ça. Enfin, si lui, il veut bien sortir de son. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Qui me retient les broches de mon alimentation. Et là, c'est bon. On a notre carte mère. Voilà. Ça, c'est notre carte mère de PS2. C'est ce bloc. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. On a encore notre pile PS2 qu'on va venir retirer, qu'on va venir remplacer. On fait attention avec notre lecteur qui, lui, veut se faire la malle, hein, on le connaît. Ce tug, ça, on va pouvoir le mettre de côté. On va pouvoir venir dépoussiérer cette partie-là, ainsi que la petite partie de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est la radiateur. C'est vraiment la même carte mère que j'ai eu dans ma PS2 Minitel. Hein. C'est vraiment la même. Voilà, petit coup de propre, ça sert à égal. Hop, un petit coup de propre de l'autre côté. La raison que ça ne passe pas ici aussi. Voilà. Propre tout ça là. Ah, ça va être une PS2 qui va être propre ça. À la fin. PS2 fonctionnelle et propre. Et ça, c'est bon. Voilà. Avec la pile d'origine. Bah écoute, si tu veux. Si tu veux. Hop, on enlève. Ah. Regardez ça. Ah bah la Xbox à côté, effectivement, c'est le paradis. Hein. Y'a de ça. C'est juste trop bien. Et hop. Bah écoute, si t'en veux, hein, je t'en ferai un. Hein. Je te dirai combien ça revient. Hop. On va en mettre une de remplacement. C'est quand même mieux de remettre une pile. Hop. Sachant qu'en plus, du coup, les frais de port sont dans le sont dans le lot. Là, c'est des 20-25. Là, il me faut des 20-32. Il me semble que j'en avais sorti une il n'y a pas si longtemps que ça. Ça. Ah non, ça, c'est une 20-16. 20-25. Ok. Ça tombe bien, des 20. D'ailleurs, j'ai commandé des... Je me suis lancé dans le business, pas du tout dans le business, mais bref, j'ai acheté ce qu'il faut pour ouvrir et refermer des montres. C'est une petite presse. Donc là, hop, petite 20-32. Tu feras très très bien l'affaire. Du coup, je me suis lancé dans le changement de pile de montre. Parce qu'à chaque fois, tu vas chez le bijoutier, tu payes 25 € pour qu'il te change une pile. Et en plus de ça, après, elle est plus étanche. Je me suis dit, bah, c'est fou ça quand même, c'est que 25 €, il doit y avoir vachement de main-d'œuvre et tout, ça doit être fou le temps que tu passes dessus. Et au final, et les piles aussi doivent coûter cher. Et au final, je me suis renseigné un petit peu sur le net. J'ai acheté ma presse 10 € qui permet de faire ta montre.
Jusque-là, pas de souci. Et les piles, j'ai regardé le prix que ça coûtait, et notamment sur AliExpress, des CR2032 et toutes petites tailles, enfin toutes les tailles à peu près, chez Sony, qui est une très bonne marque, c'est notamment ce qu'on peut retrouver dans les Festina et consorts en termes de marque de montres. Bah ça coûte 4 euros le lot de 20. Je me suis dit, bah 4 euros le lot de 20, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup pour un petit peu là, je trouve. Et donc au final, je préfère le faire moi-même. Et donc du coup, j'en ai commandé plein sur AliExpress, malheureusement, elles n'arriveront pas tout de suite. C'est pas grave. Hop, je ressors le tutoriel. Alors, nous, c'est une SCPH 30004, si je ne m'abuse. Alors, PS2 Mode Chip Guide. Et tac tac tac, normalement on a le mode chip. Ici. Et donc, on a dit, on confirme la version qui est encore dessus. Oui, SCPH 30004, tout à fait, c'est bien ça. 30004 GH10, et sauf que nous c'est une 30004 GH07, donc ça fait partie des toutes premières. Hein. GH07, donc c'est une V3, c'est une V3, les V0. Elles sont pas compatibles, mais à mon avis, c'est les toutes toutes premières. Et après, tu as les V1 et V2. Donc, tout ce qui est 30001, c'est, ça peut aller de V3. Ah non, ça peut aller jusqu'à V4 aussi. Donc, nous, c'est une V3 GH007, hein, c'est ça. Elle est à remontoir. Effectivement. Effectivement. Alors, comment qu'on fait? V3 board. Donc, il va falloir que j'enlève forcément les petits radiateurs en dessous. Pas de souci. Fais voir, fais voir. Donc là, ça, jusque-là, on est bon. Have a gap in the middle of the pin of the build chip. Mode Bo V1.1. For Japan and Taiwan. Ok, et là, on en a d'autres. Alors, où est-ce qu'il la positionne, la PS, la lentille, la puce? Il la positionne par là, directement. Directement par là. Moi j'ai 3004 et une 3004R. C'est bien ça. Et Giro. La puce, il la positionne là et visiblement tout se passe de ce côté-là. Ça c'est cool. Et c'est le mode Bo 5.0. Il a exactement la même que moi. Putain, mais il y a beaucoup de fils. Donc on va avoir des fils qui vont aller là. On va avoir des fils qui vont aller là. On va avoir 2-3 fils par là. Pour la vache, le mec, il a fait un truc de ouf. Et on en a plein d'autres. Il faudra juste faire attention de ne pas se foutre sur des trous de vis. Non, ça devrait être bon. En fait, je ne sais pas comment ils arrivent à coiffer leurs fils. Et bon appétit, Fifi Gigi. Hop, il y en a un qui fait passer de l'autre côté. Ah si, j'ai quand même besoin de passer de l'autre côté. Je regarde, hein, si j'ai besoin de passer de l'autre côté. Mais lui, visiblement, il ne fait pas passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il dit? The different to your guard wire. I found the easiest solder to the VNU. C'est vrai qu'il y a the six point is different. See follow below. Donc là, lui, il se soude de l'autre côté. Pour des points plus simples, on va dire. Lui, c'est quoi? C'est le CX point is different et V et U. Est-ce que V et U, c'est des points relous ou pas? Ah ouais, plein de points là et tout. Celle-ci va pas être évidente. Mais on va tout tenter. On va tout tenter. Dommage de plastique qu'on retrouve sur les consoles qu'il faudrait utiliser pour les nettoyer, désinfecter. Actuellement, j'utilise des lingettes, mais si tu as un produit. Au conseiller, je suis preneur. Alors pour tout ce qui est autocollant, tu peux prendre de l'alcool isopropylique. Si ça reste attaché et que c'est vraiment casse-couille, tu prends du WD-40, mais après tu reviens derrière dégraisser avec de l'alcool isopropylique pour pas laisser une couche de gras sur ta console. Okay.
Et sinon, moi, quand je veux nettoyer mes plastiques, j'ai un mélange 50-50 de vinaigre d'alcool et d'eau. Ok, j'arrive, je vais chercher ma pizza. La pizza. Est-ce qu'elle est cuitasse? La pizzasse. Je pense que oui. Hein. Ça doit faire à peu près 1 heure qu'elle est cuite. Oh, qu'elle est belle! Oh la vache! Ça va se régaler. Je vous le dis tout de suite. Je cuis rarement en plus les pizzas au four. Bon, en même temps, je les cuis où sinon? Ah oui, je les cuis au micro-ondes. Hein. Bah oui, c'est ça. N'en déplaise aux pizzaïolos du chat. Hein. Ça m'arrive. Les pizzas fraîches au micro-ondes, ça passe très très bien. Hop, je prends de quoi. Voilà, on la découpe. Et je pense que je vais pouvoir m'asseoir hein, pour m'occuper de la PS2 parce que ça va être vraiment de la petite soudure et tout. Essayer de faire ça bien. Enfin, on va essayer si on va faire ça bien, quoi qu'il arrive. Et hop! Ça, c'est bon. Et bon appétit, bien sûr. Se faire un peu de place? Tac. Point, point, point. Point, point. Je vais faire les cauchemars, puis c'est cuit au micro-ondes. Mais ça va aller. Et oh, c'est plus économique que de claquer l'isopropylique. Ah bah c'est ça, hein. L'isopropylique en plus ça coûte un bras. Et on en trouve de moins en moins. Quoique, ça s'est arrangé. Hop! On va descendre. Toi, je t'incline. Toi, je te descends aussi. Voilà. Hop, mon châssis, je vais le mettre par là. Donc là, on va arriver sur une des. Au final, on est sur une des PS2 les peut-être les plus complexes hein, que j'aurais eu à faire. Je vais prendre ma puce et bon app, hein. Bon app à ceux qui mangent aussi. Bizarre mon siège. Il m'en reste encore 6. C'est pas mal 6. Même si la dernière fois, il y en a une qui est décédée. Hop. J'avais lisé. J'avais bien pensé. Non, je suis à la surface. J'avoue, j'évite tout ce qui est lingette. Pendant un moment, je le faisais beaucoup, les lingettes. Mais en fait, tu sais pas trop ce que c'est comme produit. Tu sais pas trop comment ça va réagir dans le temps. Bon. C'est quel moelle de puce? C'est quel modèle de puce, je présume, que tu voulais dire. C'est la Modbo 5.0. Ah bah non, mais reste. Attends, il m'en restait combien? 7? Il m'en restait 7. Cool. Il m'en restait 7 et il me reste encore 12 PS2 à refaire, mais je pourrais pas tout les refaire, hein, les PS2 que j'ai. Hop, on remet ça là-dedans. On remet ça là-bas. Attendez, je vais taper un croc dans ce que je mange, hein, parce que j'ai un peu la dalle. Hein. J'arrive. On a quoi en plus? Je t'invite à taper la commande Modbo. Directement. Ok.
Ça irait comme ça. Et donc du coup, là, on a notre blindage. On est large de ouf. Ici, c'est une très très bonne position. On va juste essayer de ne pas se mettre sur les infos intéressantes. Alors, soit le plus intéressant, c'est le GH07, sinon. Roi MTMK. Hop. Ouais, attendez, je reviens. RU, désolé. Je vous ai même pas mis de pub en plus, hein. Je suis quelqu'un de sympa. Rue. Petit impératif. Ah. Ok, désolé. Me revoilà. On va coller notre puce. On va voir ce que ça donne. On va essayer de souder tout ça propre. On va essayer de pas trembler comme la dernière fois. Zincran WAVG. Ah ouais, tu vois, c'est marrant. Ok. Donc lui, il le positionne là-haut dans cette position-là parce que tout est en bas. Ah bah non, il faudrait que je le mette. Ah non, il faudrait le mettre comme ça. Lui, il le met comme ça. Attendez, excusez-moi, je réfléchis. Napoléon, quand il sort à monter sur le Discord, merci pour ce stream de qualité. Ah, plus Clotilde, et merci d'être passé en tout cas. Donc ça, c'est comme ça. Ça ira. Comme ça, c'est le mieux en fait. Parce que du coup, ça. Ah oui, mais non, en fait, ça va faire. Je réfléchis un petit peu. Sais pas trop en fait comment on y prendre là-dessus.
C'est si je le mets comme ça. Lui, il le met comme ça, en gros. Et ces fils-là, ils vont tous par là, là, en gros. Par là. Et ces fils-là, ils vont tous par là. Donc, si je mets comme ça, mes fils-là, ils vont là. Et du coup, mes fils-là, ils vont là. Et donc, du coup, ça va se croiser. C'est pas terrible, en fait. Je vais faire comme il a fait. C'est mieux. Comme ceci. Et merci Clotilde pour ton 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et salut Fancy. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. 10 mois d'abonnement, c'est énorme. C'est un beau chiffre, c'est un chiffre heureux. C'est beau. Ça régale. En parlant de régal. Ok. Pour ceux qui le souhaitent, hein, le tuto est sur le Discord pour faire ce genre de choses. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'étain. On va étamer tout ce qu'on a étamé. On laisse le fer à souder chauffer. On va prendre la pompe à dessouder. Je peux retourner bosser. Bon courage pour le puissage et bon après-midi à tous. Et ben, bon après-midi à toi aussi. Merci d'être passé. Et encore merci, Clotilde, d'insister encore là. Merci beaucoup. Ok, donc je vais commencer par étamer disque Horde, bien sûr. Je vais commencer par étamer ceci. Donc les pads ici. Tiens, un peu d'étain partout, voilà. Ça vient faciliter la soudure. Là, mon fer à souder est à 400 degrés. Ça marche très bien. Salut, Sniper Snake. Tu te sens l'oreille qui est quand même une température assez élevée. Hop, je vais prendre ceci, ainsi que ceci et cela. Ça, c'est mes fils pour le courant plus et moins, qui sont plus simples, qui sont plus épais, tout simplement. Ok. Donc, maintenant j'ai plus qu'à suivre le tuto en fait, hein. Enfin plus qu'à. C'est ce qu'il faut que je fasse, du moins. On a plusieurs versions. Hop, fais voir celle-ci.
le 3 volts serait là. Ouh, ça a l'air très mal fait. Celui-ci, il a l'air très chiant. Il a l'air très très chiant. Modbo, V1. Fort Japan, machin. Celui-ci me semble bien mieux. Ouais, ça me semble bien mieux. Juste que la carte mère n'est pas positionnée comme moi je l'ai positionnée. Ok. Là, c'est mieux. Très bien. Il y a à peu près 12 milliards de versions différentes. Il y a plusieurs façons de positionner en plus de ça nos puces. Il y a des prises alternatives. Plein de choses. Il y a plein de choses. Vous êtes 106 à être abonné en fait. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok, donc on a le 3-3. Donc notre ground il va venir sur cette énorme plaque ici. Donc c'est tranquille. Hop. Et notre 3-3 il va venir se souder ici. Directement sur ce petit condensateur. Moi j'étale un tout petit peu. Je suis peut-être en jaillir un peu trop vite. Visiblement, le ground, il se laisse pas faire. Ça y est, j'ai réussi à trouver un point d'accroche, j'ai envie de dire. Voilà, on va prendre nos deux fils. Donc 3,3 volts, on va le faire en rouge, on va faire ça bien. Qui vient de là à de là. Hop, on prend la petite pince. Alors je vais vite changer de pince parce que celle-ci va plus m'embêter qu'autre chose. Hop, on va prendre la pince à dénuder également. Hop là. Donc on va essayer de faire ça. Ça fait combien de temps qu'on est en live? 4 heures qu'on est en live. Est-ce qu'à votre avis, en 1 h 30, c'est possible? Je pense que ça peut se tenter en vrai. En 1 h 30. Oh, tu peux faire une prédiction, effectivement. Est-ce que. Prédiction. First try. Oh, il y a une trace bizarre ici. Sur cette puce, mais ça semble presque normal. First try. En gros, ça marche au premier coup. La puce fonctionne du premier coup. Ok, je vais avoir besoin de ma pince comme ceci. Petite prédiction en cours, n'hésitez pas à voter pour ceux qui le souhaitent. C'est un film, ma foi, pas trop dégueu, ça.
Ah, c'est le moment de vous refaire. Sur les derniers lives, il y en a pas mal qui ont perdu de la thune. Cette musique. Cette musique. Beaucoup trop bien. Après, tout explose, c'est ça. 15 minutes, c'est large. C'est très bien. Et du coup, je disais les porte-clés, j'en ai recommandé des anneaux. Mais en fait, c'est pas des anneaux, ça va être des anneaux en tissu. Ce qui sera notamment plus simple pour moi. Ça aura peut-être un peu moins de gueule. J'aurais pu en prendre la tête et ça ira plus en plus de ça. Parce qu'en fait, les anneaux en métal, ça venait rayer la résine. Ce qui est pas terrible, terrible. Oula, le first try a l'air de pas convaincre là. Ok, petit fil noir, c'est bon. Ok, il nous reste reset pour faire ce côté-là. Elle est où la souris? Voilà. Reset, qui est? Pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Reset. Il est. Donc si je mets la carte mère dans le même sens que eux, comme ceci, reset et par là. Quitte et prédit quoi? Quitte, il a peut-être un peu peur. Il sait pas trop. Ok. Là, je suis dans le même sens qu'eux. C'est par là. Et par là, ça serait directement celui-ci qui est tout seul. Donc c'est le troisième en partant du bas, juste ici. Donc ça, c'est reset. Je viens l'étamer pour venir faciliter la chose. Ensuite, on va prendre notre fil à marron. Pour aller jusqu'à notre reset. Tac, tac. Pourquoi ça bug ça? Hop là. Il dirait kit ou double, bien sûr. Kit ou double, ça me fait penser aux pancartes que tu mets à l'arrière de ta voiture. Ferme ta gueule et double. Qui est encore différent. Hop, on étame. Et on y va. On y va. Ok, on y va. On passe le fil comme il faut. Ok. Et là,
On le fait passer comme on veut. Vraiment, je me rachète du fil de warping. Celui-ci, je le trouve vraiment pas ouf. Sais pas s'il y en a qui ont une bonne marque ou un bon truc, je sais pas. Ou ta bobine de fil. Bah justement, il a l'air bien se faire à souder. Se faire à souder est top, hein. Vraiment. J'invite tout le monde à le prendre. C'est le TS100. Et le fil que j'ai, c'est du fil de warping que j'avais acheté sur Amazon, je crois. Et certes, il est cool parce que tu as plein de couleurs différentes et il est fin et puis voilà. Mais malgré tout, il résiste très mal à la température en fait. Il est chiant pour ça. Et je l'avais acheté sur Amazon. Je crois que les liens sont sur. Tu tapes la commande setup et je crois que je l'ai mis dans consommable ou un truc comme ça. Alors, on va continuer. Je pense que ça va être un des plus relous aujourd'hui. Je le sens. On va faire Y. Peut-être enlever Bouffetout, hein. Voilà. On va faire Y, S6 et RX. Okay. Et Y, il est par là. Et donc, ça serait lui. C'est ça. Y est ici. Si vous voyez bien, vous, de votre côté. Parce qu'en plus de ça, la carte mère est petite. Je crois pas que je puisse zoomer encore plus que ça. Il y a un truc qui me dérange. Je crois que j'ai une bobine de scotch là-haut qui m'embête. Attends. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà qui sera mieux. Ça, c'est Y. Qu'est-ce qu'on va prendre comme fil? Orange. C'est bien orange. Ok, donc Y. On va faire passer comme on peut. T'es deux direct, salut Tom Gaming. Franchement, Nintendo, toute l'été, j'avoue, je suis un peu fatigué là. Genre là le jeu qu'ils ont sorti là, leur dernier Mario là. Mais genre, ils sont chiants quand même. Enfin, ils ont des moyens, ils ont des équipes de faire des nouveaux jeux.
Et ils ne te sortent que des recyclages. Franchement, après, ils ont raison, hein, d'un côté ça marche, mais ça me fatigue. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Il me semble que c'était un jeu qui était déjà sorti sur Wii U. Enfin, arrivé à un moment. Je veux bien que la Wii U n'ait pas marché, mais quand même, faites quelque chose. J'avoue que ça m'agace un petit peu, Nintendo. Y, c'est bon. Y, c'est bon, je suis large, je peux le positionner comme je veux, comme je vais avoir pas mal de fils qui traînent. Mario Battle Royale. C'est 35 ans, Zelda, donc peut-être un new ce soir, Breath of the Wild 2. Ou ils vont nous sortir un Ocarina of Time remaster, non? Que des jeux à deux sur la Switch, hein, mais ça m'agace. Mario Battle Royale. Ce Pog, ce nouvel émote Twitch là, elle me tue. Ils se sont dit, le meilleur moyen, on va mettre un lézard, comme ça au moins lui, il pourra pas avoir des propos chelous. Ça ouf. Ok, donc ça c'est cool. Y c'est bon. On a S6, SX et RX. J'achète que des jeux en deux. Bah ouais. La suite, il y a quelques mois, marre du recyclage, effectivement. Ah bah ça me rassure, je suis pas le seul à y penser. Reset c'est bon, donc pour la partie haute. Ah ça me fait plaisir, il y a quand même plus de gens qui pensent que je vais y arriver First Strike que je vais pas y arriver, parce que ça commence à me déprimer, je voyais, waouh, les gens, pour eux, j'y arrive pas. Très bien. Très bien. Oh. On a S et CX. J'aimerais bien un émulateur Game Boy. Mais jamais ils vont mettre un émulateur Game Boy. Merci pour les prédictions en tout cas. Merci de jouer le jeu. c'est quoi ça, Gap? Attends, fais voir un truc là. Gap? C'est ça, Gap? Je regarde. Ça ressemble à ça, moi aussi. C'est comme ça. Comme ça. 220 là. Gap. C'est ça, Gap. Gap, il est là. Gap. C'est ça. C'est bon. Là, on peut venir étamer. Je vais tenter un étamage de ces trucs-là. Oula, ça semble différent quand même ici. Non, non, ça semble pareil en fait. J'ai rien dit. Est-ce qu'ils ont une belle photo bien zoomée? Pas moi! Et là, ça va être un peu un enfer. J'ai rien dit. Ah, celui d'en bas, on s'en fout. Et ben alors, ça me semble pas trop mal, ça. Zelda s'est dit, oh, ce serait énorme. En vrai, ce serait énorme. Parlez bien de Nintendo. Ouais. Tu sais, le mec est en train de switcher, de pucer une PS2. Parlez bien de Nintendo. Ouais, non, t'inquiète. Attends, j'ai bien. Je suis pas sûr. Mais Zelda s'est dit, ça serait fou. Hein. On dirait que t'es sponsor Twitter, donc ça va être sûr que. Ça va peut-être être. Ça va peut-être que de la daube. Il n'est jamais sponsor. Bah, peut-être que c'est l'inverse. C'est qu'ils le mettent bien en avant parce qu'ils savent qu'ils vont mettre un truc de ouf. Il va y avoir une Switch Pro, source petit pain. Source sûre, du coup. Alors, non, ce serait contre les dernières déclarations. Oh, ça serait étonnant quand même. Visual Boy Advance surpassé. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait des émulateurs sympas qui étaient ressortis dernièrement. Et franchement, l'étamage de ces filages, je m'attendais à ce que ce soit un enfer. Ça s'est hyper bien passé.
Et au final, ça va peut-être être plus simple que prévu. Ça, c'est cool. Je vais pas me jeter des fleurs tout de suite. Ou tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça me semble pas mal. Et on a R. Il y a R. Là. C'est ça? Tac. Il y a R qui est là. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On a une alternative au 3V3 qui est là, mais on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est tout notre BIOS en fait. Donc tous ces fils-là, faut bien les souder parce que c'est le BIOS. MGBA sur Vita. Ok. J'avoue, j'ai pas trop d'émulateur sur ma Vita. Parce qu'en fait, j'ai Vice City. Du coup, j'ai pas besoin d'émulateur. Mec, est jamais dans l'extrême. Alors. Bravely Default, 2 euros. Default 2,45 € en physique et 59,80 € dans des maths. Le choix est difficile. Alors, Bravely Default 2, 45 en physique. Ah oui, effectivement. Intérêt sur les Masters Zelda et In-Game & Watch double screen Zelda plus nouveau combattant Smash. Alors, il n'y avait pas un Game & Watch Zelda qui avait fuité là dernièrement? Je crois que si. Hein. Il me semble que si. Hein. Il y avait un Game & Watch Zelda qui avait fuité là, qui avait fouté. Bon, alors il va falloir que j'enlève. Je vais m'occuper de tous les fils et après je fais SCX et SX à la fin. Parce que je vais devoir enlever mon radiateur. Donc ouais, on va faire ça. Et bon, comme ça me permettra d'enlever encore plus de poussière, parce que j'en vois encore là. Très bien. Le Metroid, regardez aussi. J'avoue que le Metroid, ce serait ouf. Hein. Un petit Metroid là. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas sorti un Metroid? Genre celui qui était sur DS. Coupe ma pizza, j'arrive. Je commence à avoir très faim. Désolé, hein, je mange en même temps. C'est pas très pro. Mais j'avoue avoir faim. Hop. Ce mal de gorge là. Je crois que je vais aller à la pharma tout à l'heure. Alors, W, il va de là à de là. C'est bien en plus de lancer un stream quand t'as mal à la gorge. Je sais pas si c'est le meilleur des bails. Je pense que demain je suis en PLS. Mais demain, je ne stream pas. W. Ok, on va essayer de faire ça à speed. Je sais pas c'est quoi la meilleure technique. Bon, en vrai, ils ont trouvé le bon bail quand tu regardes les gars de chez Nintendo. Hein. Ils sortent jamais de jeux. Originaux, je veux dire. Ah, on va faire WR en premier. Et derrière, ils autorisent à fond les jeux indés. Comme ça, les gens sont quand même motivés à acheter la console. Quel enfer. Ils sont pas cons. Yeah. Mais vraiment, quand je vois ça, ça me rend fou.
T'as tous les streamers qui jouent, t'as tout le monde qui kiffe sa race alors que c'est un jeu Wii U quoi. Alors que j'ai vu personne jouer à Vice City sur la PS Vita, hein, sur Twitch, hein. Il n'y a pas eu le buzz hein, pour ça, hein. Alors que ça, c'est un vrai truc. Mec qui rage sur des trucs incomparables. Tu vois, si la... En vrai, que si la Vita aurait marché, si les développeurs se seraient penchés dessus pour faire des vrais jeux. Et bah la Switch, ils auraient déjà plus l'impression. La pression, bah ce serait pas les seuls. Là, ils sont les seuls. Ils ont pas de pression. En portable, il y a qui? Il y a personne. Il y a le mobile, c'est tout. Alors j'ai deux fils de taille différentes et il me semble que W est le plus long. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hop, on vient souder ici. Je soude en premier sur la puce pour faciliter la pose. C'est des jeux Wii U beaucoup critiques, mais c'est très intelligent. Avec la Switch, il y a un public qui n'a jamais été atteint par la Wii U, donc intéressé par le jeu. Donc c'est du remaster facile, peu coûteux, et où ils se font une marge folle. Non mais je suis d'accord. Mais ils pourraient faire les deux en fait. Ils pourraient faire les deux. Moi je suis d'accord, hein, c'est hyper malin. Mais pourquoi ils ne font pas les deux? C'est-à-dire sortir et un remaster. Un remaster sur Wii U et en même temps, enfin un remaster Wii U et autre chose. Recommercialisation de la Vita, bah j'adore. Hein. Le jeu, je veux Sora de KH dans Smash Bros. Ah. Ah, c'est vrai que Nintendo, pour le coup, niveau écologie, on peut pas leur écologie du code hein, surtout. Après, ça fait toujours autant de boîtes en plastique, ça fait toujours des serveurs qui tournent, ça change pas. Hein. Hop là. Alors qu'une Vita, ce mec n'arrête plus avec sa Vita de mort. Alors qu'une Vita, tu lui mets Vice City dessus, et bah t'as un vrai jeu. Et tu veux jouer sur la PC, la télé, PSTV, voilà. On en parle plus. Bah voilà. C'est ça qu'on veut. Recyclage du carton, c'est vrai. Même la batterie de leur manette pro, c'est des batteries de Nintendo 3DS pour dire ouais. Tout à fait. Bah, il me semblait que même dans les Joy-Con, c'est pas des batteries de DSi ou un truc comme ça. Ou même de 3DS ou de. Non, 2DS, elles sont balèzes. Elles sont balèzes. Il me semblait que les batteries me donnaient étroitement. Enfin, ça ressemblait étroitement à ce que je pensais. Je suis presque sûr que tu peux les réutiliser dans autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fils. Donc 8 fils de cette taille-là. Hop! On va tous les faire d'un coup. J'avoue, ils ont recyclé des cartons de Wii U. L'enfer, Wii U. Hey, comment ça va, Emnes? Comment ça va? Bah tiens, qu'est-ce que t'en penses de ça? Emnes, que je vous invite à aller follow sur sa chaîne, bien sûr. Il fait des super lives. C'est franchement, là dernièrement, là, je m'y suis mis à fond à aller sur ses lives. C'est bien, mais c'est bien. C'est chill, le niveau il est présent, ça papote tout le long de plein de sujets, notamment du rétro. Allez-y.
C'est vraiment bien. Tu vois, c'est petit mood, c'est tranquille, c'est très bien, tu vois. Tu veux faire quelque chose en même temps, tu peux faire quelque chose en même temps, mais en même temps, si tu veux suivre à fond, tu suis à fond. Il n'y a aucun problème. Franchement, c'est trop trop bien. N'hésitez pas. On a combien de fils là? C'est tout? On n'a que 4? Quel enfer. Je suis si lent. Je vais encore avoir des commentaires dans. Sur mes vidéos YouTube, il y en a. Hey, mais abrège! Dépêche-toi, Bénédine, là. Hein? Je suis un rageux. Aujourd'hui, je suis gros. Je suis grognon aujourd'hui. Mais du coup, t'en penses quoi? T'en penses quoi de. Bah non, bah arrête, c'est normal. Comme annoncé sur ton Insta. Ouais, c'est bien ça. Puçage de PS2. On a réparé le lecteur et là, on a nettoyé entièrement la console. Et là, on est en mode puçage. Et après, remontage et on teste. T'arrives au moment du puçage. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, du recyclage de Nintendo, là? Tous leurs jeux, là. Genre, bah là, le dernier qui est sorti, que t'es en train de jouer actuellement sur ta chaîne. Non, que t'as fini hier, du coup. Je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste plus que 2. On sera pas mal. Moi, je trouve ça fou, hein. Grumpy qui abri. Non, mais c'est trop ça. A plus Lazare Live, merci d'être passé. Une fois de plus Lazare Live, n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne Twitch. Ça vaut le coup, c'est de la bidouille aussi, comme ici. À un niveau extrême, n'hésitez pas. On a pas mal parlé de Nintendo Direct ce matin, notamment. J'ai fait des prédictions. Des prédictions. Ah ouais? Bah on verra. On verra. Mais moi je trouve ça tellement chiant en fait. Qu'ils sortent pas de jeux. Enfin, je sais pas. Leur jeu, c'est full recyclage à chaque fois, ça m'agace. Ça m'agace. Moi, quand on m'a dit, ouais, il y a un nouveau Mario qui sort, je dis, mais putain, trop bien, nouveau Mario, c'est cool, ils sont à fond, les mecs. Eh non, en fait, c'est un Mario qui sortait sur Wii U, en fait. Ça m'agace. Mais bon. Parce que je suis gronchon ce matin. Ils ont fait du recyclage depuis plusieurs décennies. On est d'accord. Effectivement, SketchUp. Il y a du contenu en plus, on a Bowser. Mais oui, effectivement, on est habitué à ça, mais je sais pas, je trouve ça fou. Ça m'agace. En plus, ils ont des problèmes de Joy-Con qui sont pas résolus. C'est fou ça. Quoique ça doit être résolu, maintenant sur les Switch 2, il n'y a plus de problème de Joy-Con Drift. C'est fini quand même. Rassurez-moi. Mais effectivement, c'est pas bête du tout pour cette histoire de redécouverte du jeu qui malheureusement n'a pas trouvé son public sur Wii U. Parce que personne n'a eu. Enfin, il n'y a pas eu de public pour la Wii U. Bah d'ailleurs, c'est la console la plus récente de Nintendo que j'ai. Ah bah non, la 2DS. J'ai la 2DS. Quand tu vois que même Mario Kart 8 et tout. Bref, ça me trouve le cul. Mais ça aussi, malheureusement, GTA 5 sur 3 générations. Ah bah alors eux, ils ont tout gagné, hein. Eux, ils ont tout gagné, hein, vraiment. Hein. J'ai eu le Jack and Drift avec mon édition Switch de 2020. Bah yes, ça régale. Donc non, pas du tout. Effectivement, bah. C'est cool. C'est cool. Oh, je vais me faire chier, allez, dénuder cela. Toujours Jack and Rip, même sur les Switch Lite, une vraie. Toujours j'ai réparé par contre. Il me semble que ouais, sur la Switch Lite, c'est plus chiant. Mais quel enfer. Disons le Skyrim cette année, attendez à revoir démarquer sur les nouvelles consoles aussi. J'avoue. Bah, déjà, il est sorti sur Switch. En qualité absolument exécrable, de ce que j'ai cru comprendre. Oups, c'est un virus qui a l'air de. Propager sur la PS5. Ah ouais? Mais non. Aussi sur la PS5, mais c'est pas possible.
Mais non. Putain, mais c'est pas possible. On a des potards. Des joysticks avec des potards depuis la PS1. Qui marche très bien. Des PS1 que t'as encore d'origine qui marche très bien. Et là, t'as du Joy-Con Drift, du joystick Drift déjà sur la PS1. Je suis choqué. Pour une fois que je dis pas de conneries, c'est vrai. Je suis outré. Je suis outré, hein. Là, j'étame mes fils. Petit coup de lame de cutter, puis hop, tu tires. Tac. Pour enlever un petit peu de plastique. De gaine. Quel enfer. Oh, salut Rétro Jeu, comment tu vas? Rétro Jeu, qu'il faut absolument aller le suivre sur sa chaîne Twitch. Il fait du rétro. Faut aller le suivre sur sa chaîne YouTube. Il fait du YouTube. Il fait des tutos sur YouTube et tout. C'est trop bien. N'hésitez pas. Hein. Ça vaut le détour. Comment tu vas? En plus, dernièrement, il s'est fait une putain de borne d'arcade. Je suis choqué du rendu en vrai. Hein. Quand t'as montré la dernière fois en live, le rendu est ouf. Hein. Gros GG. Hein. Autant t'être accusé de minimiser le joy drift sur les manettes en ne faisant qu'un nettoyage léger, mais le problème resterait toujours présent. Ah ouais, d'accord. Ah donc c'est un problème d'étanchéité? Des personnes ne me connaissent pas ici. Je suis pas sûr. Je pense que tout le monde te connaît ici, effectivement. YouTubeur rétro jeu, tout le monde connaît. Ça va pas la tête. Moi j'ai follow du coup. Ah! Ça c'est bien. C'est la qualité. Et tu faisais quoi hier? Je suis passé en fufu. Je crois que tu faisais un blind test quand je suis passé. On voit que Nintendo fait masse de cash avec l'obsolescence programmée, du coup ils s'y mettent également. Ouais, j'avoue, hein, ça se trouve. Hein. Bah après ils se prennent une sacrée amende de l'UFC que je choisir. Mais en même temps. Mais chez moi, je trouve fou, ça nique ton image, mais en même temps l'argent, quoi. Je regardais des musiques de des remixes de musique Zelda. Ah, d'accord. Noise. Call of Duty, pas trop rétro. Bah, il en fait pas sur sa chaîne. Il en fait plus sur sa chaîne. Il en faisait, il en fait plus. D'ailleurs, j'ai repris Call of, moi, hier. On est tombé sur un cheater aux petits oignons. Genre des cheaters que tu rêves, quoi. Genre vraiment le cliché du cheater. Son pseudo, c'est cheater. Tu le regardes, il y a 15 specs. Et le mec, il te tape des décals du futur. Tu te dis d'accord. Donc le mec il triche, mais genre vraiment sans race quoi. Il a 38 kills. Bah yes. Mets-toi yam, poteau. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu parles à moi, YOLO? On vient étamer nos fils ici. Déjà vu, c'est quoi MUVR? Ça a l'air trop bien pour ceux qui ont besoin de nostalgie des lunettes VR. Mais j'ai vu, c'est le truc avec la PS1 et tout. Il est juste gaming, stop rager, mais c'est ça. Hein. C'est bien, ouais. Activision a nettoyé le jeu des cheaters. Ah ouais, bien sûr, hein. Ça a l'air de bien marcher. Ça a l'air de bien marcher. On a nettoyé tous les cheaters. Il en reste seulement beaucoup trop. Avec cette histoire de jouer en. En Égypte aussi. Il y avait ça aussi là dernièrement. Tu voyais tous les streamers qui streamaient, qui prenaient leur VPN et qui jouaient en Égypte. Je dis bah d'accord, super, grosse ambiance. Parce que c'est plus simple. Tu dis bah ok. Faisons comme ça.
tient pas de ouf. Je vais essayer d'améliorer ça. Mais j'avoue que le MUVR, là, ça a l'air très intéressant. J'ai pas ce qu'il faut pour faire de la VR. Oh, ça va le faire, ça. C'est pas mal, ça. Là, je suis en train d'avoir un truc, là. Oh, putain, je me fais chier de ouf. Attendez, je crois que je vais pouvoir me faciliter la tâche en utilisant ces trucs-là, là. Ok, on va essayer. J'ai deux PSP Go HS, moi j'ai la flemme de regarder. Ah! Bah ça m'intéresse moi, qu'est-ce qu'elles ont? Bon, ça peut être une super vidéo ça. Bon après ça dépend des bugs aussi. La PSP Go ça reste une console qui est peu commune. Qui vaut quand même son tarot quand ça fonctionne. Hein. Attendez, je vais tenter de respirer ce que j'ai fait. Je suis pas sûr. Me rappelle plus. Je pense qu'elle ne s'allume pas. Ok. Ok. Bon, en vrai, moi, ça peut m'intéresser. Tu m'envoies. Je veux bien que tu me DM avec des petites photos, histoire de voir à quoi elles ressemblent, si elles sont pas trop dégueu. Ça se tente. Hein. En fait, là. Tu rentres pas dans le roux alors que là tu rentres dans le roux. Je trouve que je vais réussir à faire en sorte que ça rentre dans le trou. Ce qui fera que mes soudures seront quand même plus solides. Et ça, c'est cool. Bah écoute, si t'as vraiment la flemme, tu m'envoies, comme je te dis, tu m'envoies un petit DM avec des petites photos et on voit ça ensemble, hein, carrément. Je suis chaud de ouf. Moi, j'aime bien justement quand c'est des consoles un peu à la con comme ça, un peu obscures. Putain, mais ça c'est nickel, ça va tenir de ouf en plus. Parce que je passe en fait dans le. Peut-être pour ceux qui se demandent là sur la carte mère, vous voyez, il y a plein d'endroits avec des petits points comme ça. Et en fait, c'est juste, ça permet de passer entre les couches de pistes. Entre les couches de pistes. Entre les. Ouais, dans le PCB. Et ça permet de. C'est des ponts en fait. Ça permet de passer d'un côté à l'autre. Tu vois, ça fait. C'est comme un fil, sauf que là, c'est un trou avec de l'alliage dedans. Et donc là, je mets directement mon fil dans le trou. Impeccable. Et pour ma cam du dessus, j'utilise un Sony A6000. Et plutôt que d'utiliser donc une caméra qui a une prise HDMI, pour faire simple, et plutôt que d'utiliser un Elgato Cam Link, que j'ai utilisé pendant très longtemps, j'utilise une copie chinoise qui marche bien mieux, qui est plus fiable que le Elgato Cam Link, et qui coûte 8 euros. Du coup, c'est top. Et je l'ai posé sur un bras de micro. Je vais essayer pour la première fois celui-ci. Cette tresse à dessouder, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne l'ai jamais utilisé. Pour venir nettoyer mes pistes. C'est une que j'ai achetée sur Amazon. Il y avait plein de bonnes notes. Je me dis que ça peut être que bien. Une car à cramer, c'est bosser avec son Elgato à skip. Ouais. J'ai vu ça hier, j'ai vu sa story. Il y a des gens qui m'ont tagué en mode bah SAV, sinon tu l'envoies à Cabri.
Ok, c'est pas trop mal. Alors, j'ai beaucoup d'espoir envers cette chose qui me semble pas trop mal. J'ai quelques trucs à faire. À plus tard. À plus, Mness. Merci de passer en tout cas. Très cool ces streams à Mness. Hein. Vraiment, je vous invite. Souvent, s'il est en live et que je suis pas ici. Enfin, si je suis pas en live et que lui l'est, c'est que potentiellement je lurk chez lui. Putain, mais vraiment, si ça marche là, ce que je fais là, je suis refait. Ça va me faire gagner pas mal de temps. Et surtout, ça va confirmer la solidité de mes fils, donc c'est cool. C'est très très cool. Ah, réussir à gagner une Xbox Series. Mais je suis pas sûr que ce soit le Elgato qui a grillé la Xbox Series, hein. Je pense que c'est plus l'inverse. Hop, on met ça. En tout cas, il a été. Je suis étonné de la réactivité dans les deux cas, ça pille. Ah oui, bien sûr. Ouais, sûrement une surtension, un truc comme ça. Sachez qu'il y a du courant hein, qui passe dans un câble HDMI. Donc, ça peut être dû à plein de choses, bien sûr. Mais dans tous les cas, je pense que notre ami Conker. Je sais même pas si Elgato vont lui. Et rembourser son boîtier. C'est pour sûr, ça. Putain, je suis en train de me rendre compte de la taille de la PS2. Vu les Kamin Express. Ah, mais je suis d'accord. Hein. Vraiment, le Kamin Kali Express, je le. Vraiment, que ce soit pour les gens qui se lancent ou pas, vraiment, je le. Je le conseille de ouf. Les liens sont, si vous tapez la commande setup, vous avez le lien AliExpress directement. Franchement, ça a été testé par plusieurs personnes de la chaîne. Hop, ça tient bien. C'est un peu épais, mais ça va. Tiens, on va en prendre un autre. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas mal. Bienvenue à toi, BZH. Visiblement, à un breton. Setup. Sprite. Ah, j'avoue, le 7-Up. J'avoue qu'au début, j'ai plus lu 7-Up, mais après, je me suis dit, attends, s'il a écrit ça, c'est qu'il y a forcément une raison avec ce que je viens de dire. C'était forcément la commande setup, bien sûr. Y a forcément une connerie derrière ce qu'il dit, derrière ce qu'il fait. Setup, t'es pas loin, t'es pas loin. Mais ouais, vraiment le Cam Link Elgato. Enfin, Elgato, ouais, il est vraiment. Je le trouve vraiment naze en fait. Hyper capricieux. Truc qui coûte je ne sais combien d'euros. Le Cam Link, moi je l'avais payé, je crois, genre 110 d'occasion sur Amazon. Que vraiment une petite ristourne. Mais le truc. Il a bien marché, mais si tu lui as pas un. Si t'as pas un port USB-C.
Haut débit du futur, il va te renvoyer le truc à la gueule et te dire non, 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 non. Il va fonctionner, puis au bout de 15 minutes de live, hop, il va piger, puis des fois plus loin. Bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vraiment, El Gato. Ouais. Et je suis vraiment dégoûté, hein, parce que Elgato, du coup, bah j'ai le seum. J'ai le seum quand même, parce que je l'utilise depuis je sais pas combien de temps. Le truc, il a toujours été aléatoire, je l'ai payé super cher. Et là, je prends une copie chinoise à 7 euros, et le truc, je le remplace. Et depuis, il tourne comme ça marche très bien. Mon entourage me disent que patienter 2 ans après avoir acheté une console, un peu plus de jeux, ils seront présents. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour Conqueror et consorts, c'est des gens qui ont besoin de la console Day One, c'est leur travail d'avoir la console Day One. Donc, compliqué. Et je suis très étonné de la réactivité justement de sa vidéo. C'est valable aussi pour les voitures, c'est vrai. Nintendo, l'exception des 2 ans. Ouais, tu veux qu'on parle du Joy-Con Drift? Des problèmes de batterie également? Des problèmes de charge USB-C aussi? Ça, je comprends pas pourquoi ce connecteur USB-C il fait que de lâcher sur la console. Ah non, Nintendo, c'est pareil, hein. Nintendo, c'est encore pire, ça fait je sais pas combien de temps que qu'ils ont le Joy-Con Drift et qu'ils font rien. Ils attendent que ça coûte vraiment cher avant de proposer. Bon, lui, il fait son teug, visiblement. On va venir le renettoyer un peu différemment. J'aimerais bien avoir des belles soudures bien propres. D'ailleurs, l'exception, le matos Nintendo est cheap, les problèmes de joystick, connecteurs, les boutons, les gâchettes, et c'est pas que la Switch. Ah bah. Que les Suisses ne tombent pas en morceaux dans les mains. Voilà, t'es déjà des témoins. Non, non, mais vraiment, la Switch, ça marche aussi. À Paris, ils dépenseront au moins en amende et en remboursement de 5%. Les 5% qui. C'est plutôt clair. Non, mais ce qui est fou, c'est que. Enfin. Je comprends pas. Hein. S'ils avaient fait une. C'est vraiment un Joy-Con, il faut qu'il soit juste plus étanche. Enfin, je dis ça comme si c'était simple, mais. Un Joy-Con plus étanche et. Oh. Jackson 5, quoi. S'ils avaient fait des pistes de graphite plus solides, parce qu'en fait, le gros inconvénient de la différence des autres joysticks, c'est que sur la Switch, le joystick, il est portable, donc il est slim, il est petit, il est tout fin. Ça, vous l'avez remarqué. Et il est cliquable. Et ça, c'est bien la première fois qu'on voit ça. Sur les consoles connues, du moins. Je sais pas trop s'il y a eu des consoles chinoises avec ce genre de choses. Mais habituellement, quand tu veux rendre cliquable un bouton sur une console de salon, bah t'as de la place. Ah oh, putain de tasse. Il veut pas lui. Qu'est-ce qu'il fait là lui?
Ok, on va faire différemment pour celui-là, hein, c'est pas grave. Les Jaconne Ori, aucune idée. Ça va pas te dire le remplacement intéressant. Je n'ai pas la Switch. Enfin, si j'ai la Switch, mais. Je l'ai pas fonctionnel, du moins. Ça, c'est soudé, ça tient. On va faire pareil avec l'autre. La Kali, je prendrais pas le sort parti pour autre chose qu'une paire de Jaconne sacrifiable. Ah bah après, bien sûr, les Jaconne, ils sont bien, ils sont agréables du moins à utiliser, mais. Mais bon, c'est chiant quoi. Tu peux la changer cette dent-là? Ça c'est solide ça, bien sûr. J'ai loupé un fil? J'ai pas fait tous mes fils? Il va manquer un. Ah! Il va me manquer un fil. Pourquoi je fais des bruits comme ça alors que j'ai mal à la gorge? Ah non, il est là. Coucou. Je me disais bien. À ce point, mais attention. Attention, en mars d'avoir une Switch hackée, je vais acheter peut-être autre chose pour mon ami. J'achète une PS Vita. Tu peux jouer à Vice City. Qu'est-ce que je te dise de plus? J'achète une PS Vita. Tu peux jouer à Vice City. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu fais un peu trop ton thug pour moi, toi, là. Je mettrais peut-être un peu de colle chaude ici, où je les tiendrai bien comme ça pour pas qu'ils se changent de place, pour éviter qu'ils se fassent des bisous entre eux. Ça sera mieux. Et il me reste un fil, si je ne m'abuse, oui. Hop, qu'on va réagrandir un petit peu. Mais en plus de ça, ouais, la Switch, elle descend même pas de prix et tout, enfin c'est un enfer. Ah! C'est chaud, ça brûle, gâter le coin. Oula, bah, qui balance le uTip, hein, d'ailleurs, merci. Hein. Je sais pas combien vous avez été à faire depuis tout à l'heure, à en faire, mais hein. Merci beaucoup pour votre soutien. Derrière, c'est bien celle-là. Hein. Oui. Oui. Bon, on va la faire à l'anti. Peut-être que ce sera mieux.
Ok, donc là on est bon. Là on est bon. Je vais venir les placer de l'autre côté. Espérons que les fils soient assez longs. Donc ça c'est V. Ça c'est pas V. Hop. Ça c'est pour V non plus. Ça c'est V. Tu passes en dessous, tu passes en dessous. Voilà. Bon, ça c'est U. Plutôt. Oui. Ça c'est U. U. Ensuite, ça. Je suis en train de faire une espèce de Scooby-Doo. C'était. So, c'était. So. C'est ça, hein. On est bon. CQ. C'est ça. Non, mais chez Nintendo, tout est cher, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Même le rétro de chez Nintendo, à part la Wii, et encore que. Tout est cher. Tout est cher chez Nintendo. Ça, c'est P. C'est pas mal. Ça, non. Ça, oui. Ça va faire une sacrée tresse à la fin. Voir si on peut positionner ça un peu mieux. Ça c'est haut. Comme ceci. Du coup là avec la prédiction, c'est first try. Hein. Il y a plus de gens qui pensent le first try que de gens qui pensent qu'il n'y a pas first try. C'est ça. Hein. Alors déjà c'est cool, c'est qu'il n'y a aucun fil qui se fait des bisous. Ça c'est bien. Ensuite ça on pourra l'aplatir sans trop de soucis. Hein. On a quand même du mou donc ça c'est pas trop grave. On pourra mettre un point de colle chaude genre là. Pour venir aider la chose. Ici normalement on n'a plus trop de soudure. J'ai pas fini ma pizza. Ça fait 1 heure que je mange, je me rends compte. Et là, il nous reste IHGBA qui viennent ici et qui seront en orange. Donc IHG, ça va être un enfer. A, c'est cool, B, c'est un enfer. Ok. Sont comme ça. Visiblement, il n'y a même pas de point alternatif, donc c'est ici ou rien.
Ok. Là, je vais avoir besoin de concentration. Je vais pas trop regarder le chat. Je m'en excuse d'avance. En plus, on voit que ma tête. En même temps, je peux pas trop faire autrement. Ah, ces points, ouais. Là, c'est les points qui vont sur cette puce-là, comme la dernière fois, vous vous souvenez. Est-ce que pour me faciliter la vie, je mettrais pas un poil de flux juste pour venir faire reprendre l'étain d'origine pour le rafraîchir un petit peu. Je vais faire ça. Qui sera plus facilement soudable, si je puis dire. Voilà, pas grand chose. Ça le fait aussi. Bonne vue, hein. 4. C'est ça. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Mes soudures ont l'air de rebriller. Potentiellement, elles vont accrocher à ce que je leur donne. Ok. Ça, c'est IH. Ça vient ici. Je vais faire exprès de prendre large. Là, il va falloir que je les étame bien comme il faut. Allez, on y va. On s'échauffe. On en a fait pas mal depuis tout à l'heure. Ça va être eux les plus casse-couilles, hein, sachez-le. On approche de la difficulté là. Okay. Et en plus de ça, il faut que je me passe par le dessus parce que sinon je vais m'attaquer aux pointes ici. Donc on a dit I, c'est 1, 2, 3, 4, c'est la cinquième patte. Ok. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ça tient pas de grand chose parce qu'il me faut étamer un peu plus ma papatte. Et c'est là que ça peut être problématique. Je l'ai étamé très légèrement. Je pense que ça tiendrait plutôt pas mal. Je suis désolé, je vais être vraiment très concentré.
Ça tient très très bien. Ce fil-là, c'est bon. Encore 3. 3 galères et 1 plutôt sympa, plutôt pas mal. Plutôt simple. Ça, c'était I, j'ai H, j'ai B. C'est vraiment la partie, pour ceux qui se demandent, c'est la partie délicate hein, du puçage. Je vais couper directement tous mes fils d'un coup, là, comme tout à l'heure. Soit ils sont à peu près tous de la même taille. C'est vraiment ces bobines, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment un sac de nœuds plus qu'autre chose. Quel enfer. Je m'en trouve une autre. Je vais aller sur RS Online s'ils font pas du fil. Je suis presque sûr que s'ils font du fil. Bah au moins la gaine est résistera à la température quoi. Donc là j'en ai 3. Et on va faire le quatrième pour H. C'est H je crois. Non c'est A. Désolé, je suis pas trop ce qui se dit dans le chat. Je vous fais confiance. Je suis sûr que ça parle de choses très bien. J'ai vu que ça parlait de Game Boy. Là, j'ai pas envie de redevenir fou comme la dernière fois. Ok. On y retourne. Là, je m'en vais étamer mes fils. Comme... J'étame que d'un côté. Parce que de l'autre côté, j'aurai tout le temps de l'étamer. Tout à l'heure. Là, sachant qu'on a 3 fils qui sont vraiment côte à côte, hein. Ça va être une petite galère, hein. On va se battre. On va se battre, on va pas se laisser faire. Ça, c'est étamé. Et j'ai B qui est ici. Et ensuite, A, il sera ici. Okay, donc ça, c'est plutôt bien étamé. Ok, la suite. Et Ouba qui balance là, le site de l'assaut. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour ceux qui veulent participer à une cause intéressante.
Est correctement calibré. Ouais, le lecteur DVD est correctement calibré. Marche plutôt pas mal. Pour une lentille d'époque, c'est vraiment très bien. C'est vrai qu'avec du 0,3 mm au plomb, je me ferais vraiment moins chier. Il a pas envie, hein. A vraiment pas envie. C'est pas grave, on va se battre, hein. Pas se laisser faire. Parce que vraiment le fer à souder est très bien. Mais l'étain est un poil trop épais. Mais cet étain est très bien d'ailleurs. Pour tout usage classique. Ma panne qui fait un peu la gueule. Alors, elle se laisse pas faire. Ça veut pas refondre en fait. Je vais laisser un peu d'étain ici. Je vais essayer. Cette musique est vraiment cool. On va y arriver, hein. Salut, Frites.
Ça, c'est nickel. Allez, encore deux. Encore deux casse-couilles et puis après, il y en a un, c'est facile. Faut être plus, hein, je m'excuse, je suis vraiment concentré là dans ce que je fais. C'est marrant, je pensais avoir fini. Puis les trois se sont dessoudés directement. Directement. En me faisant un super pont. Ah, on n'est pas loin. Vivement que mon étain arrive là. Ça tient, mais je crois qu'il y a un pont.
Ah, je déteste quand il veut pas accrocher ce connard là. J'ai encore un pont. Oh là là. Vraiment, tant que j'aurai pas le bon étang, je vais me faire chier. Hein. Ah, et en plus, ça se nettoie mal. Allez. Ouais, putain. Le flux, c'est la vie. Bah, ça marche. Ouais, je crois que je vais faire ça. Tiens. On va tenter la technique du flux, bien sûr. Ouais, ça a mis à part une corde cassée, ça s'est plutôt bien passé. Je vais refaire ma panne. Pour ça, on fait fondre de l'étain sur le bout. On met dans la brosse métallique. L'éponge, là. Voilà. J'ai un pont entre les trois. Ça, je me dis en vrai, si j'avais le juste le bon étain, quoi, ça serait parfait. Mais bon, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Allez!
inspire. Ah, bah il me fait chier celui-là. Quel enfer. D'ailleurs, j'ai regardé une vidéo la dernière fois d'une. Parlant de la Xbox. D'une. Xbox One, d'un mec qui fait que des réparations. Et il a essayé de réparer une Xbox One. Qui avait des composants d'HS. Mais il a pas réussi. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui fait des vidéos. J'achète 20 Switch sur eBay. HS, combien vais-je réussir à en refaire fonctionner? Des lots à 15 000 dollars. Il a pas réussi. Je sais, je sais. Je sais, je sais. Bon après, enfin, ça va aller, hein, il y a la garantie. Ça fait chier, mais ça va le faire. Putain, des teints de mort qui refait un pont. Mais non, mais j'en ai marre de ouf là. En fait, juste avec un étain assez fin, c'est parfait, hein. Je m'en sortirai direct. Vu comme j'ai pas cet étain de mort. Bah je me fais chier de ouf. Falloir que je rapproche ma loupe d'ailleurs. Ah bah lui aussi il avait un pont en fait. Allez, on recommence tout de zéro. Ok. Je vais nettoyer vite fait. C'est fou, hein, j'avais deux, trois, presque les trois fils de fait d'un coup. Et puis après, ils ont tous sauté. Et puis là, voilà. Niqué. On recommence. Je vais nettoyer mon flux pour bien faciliter ma soudure quand même, malgré tout.
J'ai plutôt bien étamé mon histoire. Passe de l'autre côté. Oui, c'est bon. Très concentré, un jeune gens. Faut que je me suis vanté en disant ouais, avec le bon fil, ça irait tout seul. Le jour où j'aurai le bon fil, je vais mettre à peu près 2 mois et demi en plus. De plus, c'est sûr. C'est pas assez étamé, ça. Mal étamé les deux, une fois de plus, et donc du coup ça me fait un pont. C'est vraiment à chaque fois dès que j'ai presque fini qui me dit oh ouais, on fait un petit pont quand même. Du coup je suis obligé d'utiliser ma pompe à dessouder qui m'enlève tout l'étamage que j'ai fait juste avant, qui du coup m'oblige à le refaire. Voilà.
Cette fois-ci, je le refais bien. Sans faire de putain de pont à côté. Ah non. Ah putain. Ah, je vous jure que là, ça commence à me fatiguer. On recommence, c'est pas grave. On refait la panne. Fait combien de temps qu'on est dessus là? Sur trois pattes. Et le dernier qui fait un pont, bien sûr. Ça, des fois, je me dis, les mecs, ils font de l'espèce d'art, là. Quand tu vois ce qu'ils font avec... Avec leur placement de fil et tout là. Je pense que c'est des mecs qui doivent avoir, je sais pas, du matos de ouf. Mais il t'en a pas marre de faire un pont, putain. J'ai jamais autant ragé que sur les PS2 en fait. Je suis en train de me rendre compte là. Je vais baisser la température. Je vais passer à 350. Je me dis que 400 doit pas être la meilleure des idées. Et que du coup, ça doit... rien que ne serait-ce que l'aura de la panne fait fondre l'étain autour et fait un pont. Ah bah ça m'a même plié ma panne au bout. Impeccable. Pas forcé de ouf sur ma panne, monsieur. Donc là, c'est plutôt pas mal étamé de la part des quatre fils. Donc s'il vous plaît, faites pas les malins, les petits fils. Hein. Déjà, sortez de votre cachette. J'en avais plus que ça. Et qui sont les autres? Ah bah j'en ai plein par terre. Pourquoi j'en ai autant par terre? Oh.
Salut Seb. C'est de voir si je mets un peu de flux sur mon fil. Pourquoi ça n'accroche pas là? Ça commence à m'agacer cette histoire là. Vraiment. Pourquoi tu ne veux pas te souder, salopard? C'est dingue. Je deviens fou, hein. Je suis désolé les gars, là, mais c'est très long. Mais je comprends pas pourquoi là ça veut pas là. Je me dis c'est pas possible, je suis en train de devenir aveugle, je saute pas la bonne chose. Je vais sortir la loupe. Je vais souder avec la loupe. On verra ce que ça donne. Pour la prochaine fois, je fais juste le live réparation et le live soudure, je le fais, je sais pas, un autre jour. L'impression que les deux d'un coup, c'est compliqué. Et merci beaucoup, Buenadev, pour le raid. Merci beaucoup, comment ça va? Que vous y êtes beau. Désolé. Vraiment désolé, mais vous arrivez dans un moment de crise totale. Je suis en train de pucer cette PS2.
et je galère. Voilà. Et en plus de ça, ce truc-là, il m'agace, ce bras. Qu'est-ce que vous y êtes beau? Merci beaucoup pour le raid. N'hésitez pas à aller les follow Wanadev. Hein. C'est simplement une boîte française qui fait des jeux. Mais pas que, ils font plein de choses, mais notamment des jeux en VR. Vraiment, si on joue à Ragnarok. Ah, ça c'est bien. Donc n'hésitez pas. Et nous, on est en train de pucer une PS2. Et on est dans la partie la plus délicate. Et je pète un câble tout à l'heure. Et bienvenue à toi, Last First. Merci pour ton follow. Là, je fais exprès un pont. Alors, pourquoi mon... ça fond plus? Je deviens dingue, c'est pas possible. Parce que ma panne est morte et je devais devoir en recommander une. Et il s'est éteint mon fer à souder ou c'est comment? Je deviens fou. Bah oui, forcément. C'est la loupe qui va prendre. Ah, ça me casse les couilles. Ah putain, j'en ai marre. J'en ai marre de ouf. Ah, ça y est, ça commence à me fatiguer. Bah oui, c'est bien ce que je pensais. Une papate qui s'est repliée, putain. Ah, ça me fatigue. Ça y est. Je crois qu'on va devoir mettre fin au live. Et je reviendrai plus tard. Hein. Parce que là, ça commence à m'agacer entre les ponts, entre... Il n'y a rien qui va. Oh là là, je vous jure, je vais péter un câble. Je vous jure que je corrige ce problème et je coupe le live là parce que je deviens fou là. Ça me pèse sur le système et je sais plus quoi faire. On reprendra plus tard parce que...
Ou je le ferai hors live, je sais pas, mais... Là, j'ai un gigapon. Ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. C'est comme ça que ça va se finir parce que là, je vous jure que je deviens fou. Pire, c'est que c'est juste à cause d'un étain de merde, en fait. Enfin, l'étain que j'utilise n'est pas un étain de merde, mais c'est juste qu'il n'est pas assez épais. Et là, ma panne est pliée, du coup, je suis même pas sûr que... qu'elle fasse le taf. Pas pourquoi, t'es à 400 ou t'es pas à 400? J'ai envie de mettre les doigts dessus tellement ça... Moi, je comprends pas pourquoi ça fond pas. Oh putain! Bon, et ben vous savez quoi? Fin de live, ça m'agace. Ça me saoule. Passez une très bonne soirée. Je suis désolé de m'arrêter là, mais là, ça y est, je deviens dingue. J'en ai marre. Ah, je viens de faire une connerie. Ça me saoule. Je vais régler tout ça hors live et ça ira très bien. Ça ira très bien, je vous envoie chez Scarabée. Hop. Ça me saoule. Oh, et c'est pas ça que je veux faire, putain. Je vais aller dormir. Puis on s'arrête là. Allez, passez une très très bonne après-midi. On se retrouve vendredi, peut-être demain, je sais pas, je pense pas. Là, pour l'instant, je mets ça de côté parce que bah, faut que je répare mes conneries avant. Et une fois que j'aurai réparé mes conneries, je reviendrai vers vous, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ouais, j'avais pas vu ça. Allez, à plus. Merci, merci d'avoir été là. Désolé de vous laisser comme ça. Et à très vite. Bye.